victoire là, c'est peut-être c'est petit pour d'autres équipes, mais pour nous les Tchadiens, vraiment c'est une victoire très très grande et tout. Le Tchad n'a jamais participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Très souvent forfait lors des phases éliminatoires, le pays tout entier semble déterminé, cette fois-ci, à faire mieux qu'une simple figuration. Qualification à la CAN 2025. Les SAO ont rendez-vous avec l'Histoire, un magazine de Tchad Info qui a suivi l'équipe nationale de football du Tchad pendant son séjour au Cameroun. Engagé dans le tour préliminaire des éliminatoires de la prochaine édition de la CAN qui aura lieu en 2025 au Maroc, les SAO doivent absolument contourner l'obstacle que constituent les Dodos de l'île Maurice. Faute de stade homologué par la CAF, la Fédération tchadienne de football a fait le choix du Cameroun pour livrer la manche aller de ce tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025. Le gouvernement tchadien a mis les moyens nécessaires à disposition de l'équipe pour lui permettre d'obtenir un résultat probant. Après une première phase de préparation en N'Djamena, les SAO ont eu une semaine de mise au vert au complexe Mundi, espace hôtelier de très haut standing, situé dans la banlieue de Yaoundé. Les Lions Indomptables du Cameroun, une des plus grandes nations de football sur le continent, se retrouvent très souvent sur ce site pour préparer son équipe. Le staff des SAO reconnaît que la préparation pour cette rencontre était bonne. Ah bah oui, je suis satisfait. On a fait une grosse semaine de préparation au Tchad. Avec les joueurs locaux, et puis il y a le mois de Ramadan qui est arrivé, donc on a dû composer pendant 2-3 jours, on a dû s'adapter, parce que pour moi c'était inconcevable d'entraîner des joueurs sous 43-44 degrés en plein carême, l'intégrité, la santé des joueurs étant en danger, donc on a dû séparer le groupe en deux, faire une séance le matin avec ceux qui ne faisaient pas le carême et le soir avec les autres. On a fait ça pendant 3 jours, c'est pas l'idéal, mais au moins les joueurs ont pu s'entraîner dans des bonnes conditions, on va dire. Et après ici, il y a eu le voyage où on a pu s'entraîner dans des conditions, on va dire, correctes. C'est pas des conditions exceptionnelles, mais c'est des conditions correctes qu'on accepte. Et voilà, donc on a pu se préparer correctement pour ce match. Et voilà, tout s'est bien passé dans la préparation. Le projet de Kevin Niquez-Tatila s'inscrit sur la durée. Il veut préparer une équipe qui pourra performer sur le long terme. Le nouveau manager du Tchad a donc fait le pari du rajeunissement de son effectif. Il a également, assure-t-il, pris le temps d'étudier ses joueurs par cœur. Oui, je connais tous les joueurs par cœur, on va dire. Et voilà, on va essayer de mettre le système tactique qui met les joueurs le plus à l'aise possible et qui puisse faire ressortir leur qualité au maximum. Donc voilà. Mais l'équipe adverse, on les a aussi bien étudiés. Dès que le tirage est sorti, on s'est mis au travail et on les a bien étudiés. On a eu la chance qu'ils aient joué assez récemment contre le Cameroun et Angola. Donc voilà, on a analysé toute une série de matchs et voilà, je pense qu'on les a bien étudiés et voilà, on essaiera de les contrer demain au maximum. Le symbole de cette jeunesse du football tchadien, sur laquelle le peuple dans l'ensemble porte de gros espoirs, est l'attaquant Casimir Ninga. Né au capitaine des SAO, il croit en ses coéquipiers et promet au peuple qu'ils vont suer jusqu'au sang pour leur offrir le meilleur résultat possible dans cette double confrontation. La promesse, nous on demande juste, comme d'habitude, contre la Gambie, ils étaient nombreux sur Istanbul. Et là, avec l'équipe et tout, nous on est prêts pour le match de demain. Donc tout ce qu'on demande, il faut que les supporters nous encouragent comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis la victoire est en cours. Pour tenir cette promesse, il faut un ensemble d'éléments. Le premier est de prendre la réelle mesure de l'adversaire et de mettre en place une philosophie de jeu en même de les faire déjouer.
Une rencontre de football est un spectacle où plusieurs acteurs se déploient. Les plus visibles sont les joueurs et le staff. Toutefois, le public, que l'on qualifie à juste titre de deuxième joueur, n'est pas moins présent et son rôle est loin d'être marginal. La veille du match, le sélectionneur des SAO et son capitaine avaient utilisé la conférence de presse d'avant-match pour inviter toute la communauté tchadienne du Cameroun à sortir en masse afin de les porter à la victoire. Maintenant, on espère avoir énormément de soutien des Tchadiens de Yaoundé. Donc, si on peut lancer un appel pour qu'ils viennent nombreux au stade nous supporter, ce serait vraiment fantastique. Parce qu'on a besoin d'eux. Nous, on savait c'est pourquoi le Tchad a choisi Cameroun au lieu de Maroc. Bon, ils ont eu raison. Parce qu'on a vu les supporters ont contribué. Ils ont poussé jusqu'au bout. Même après le but qu'ils ont marqué, vous avez vu comment ils ont envahi le terrain. Mais ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi. Mais... La mobilisation est bonne. Le stade de 40 000 places de Yaoundé n'est pas plein, mais les quelques milliers de Tchadiens sont présents dans les gradins. Certains sont partis de Douala, situé à plus de 300 km de Yaoundé, pour venir supporter leur équipe favorite. Nous avons eu vraiment cet engouement à la dernière minute, mais nous avons quand même eu à faire cette organisation d'une manière collective et sur fond propre des étudiants. Parce que nous, on a cotisé et le consulat par après nous a donné une somme pour le rafraîchissement. Et là, nous sommes arrivés et tout à l'heure après le match, on va retourner immédiatement sur Douala. Les fans de Douala, ceux de Yaoundé et quelques-uns venus du pays à dessein pour vivre cette rencontre donnent de la voix et noient le son des amplificateurs du stade omnisport Amadou Ayédio de Yaoundé quand retentit l'hymne national du Tchad. Le coup d'envoi du match va être donné, et les 45 premières minutes ne sont pas très riches en actions de but. Les deux équipes vont à la pause sur une parité de 0 but. Présent en tribune, le coach Jean-Paul Akono, champion olympique en 2000 avec les Lions Indomptables du Cameroun et entraîneur de cette équipe des SAO de 2002 à 2003, a été très attentif et livre son analyse de ces premières périodes. On a vu deux équipes hostiles un peu très différents. Les Tchadiens qui essayent de jouer très en profondeur et très vite. Et une équipe de l'île Maurice qui se regroupe beaucoup plus en défense et qui procède, qui cherche à procéder soit par des attaques rapides, soit par des contre-attaques. Sinon, je crois que les deux équipes se neutralisent un peu au milieu du terrain. Et ce qui fait que ça donne la possibilité à chacune des équipes, de ces équipes qui est en situation défensive, n'est-ce pas, de densifier un peu sa zone défensive. Sinon, individuellement, les Tchadiens me semblent avoir deux joueurs très 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 percutants au niveau des côtés, que ce soit à l'aile droite ou que ce soit à l'aile gauche. Ça me semble être très percutant du côté des Tchadiens à ce niveau-là. Je pense que les Tchadiens devraient persister vers ce côté. Le technicien semble avoir perçu l'astuce qui pourrait permettre au Tchad de tirer son épingle du jeu en seconde mi-temps. Ils ont un peu une ascendance offensive, n'est-ce pas, sur le match. Et s'ils continuent, s'ils persistent, et comme j'ai dit, s'ils persistent par les côtés, je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu et avoir et apprendre un avantage qui pourra leur permettre, n'est-ce pas, d'envisager le match retour avec beaucoup plus de sérénité. À la reprise, la physionomie du match n'a pas vraiment changé. Le match reste très équilibré, même si les Tchadiens sont un peu plus entreprenants que les joueurs mauriciens. Ils doivent cependant attendre les dernières minutes du match pour voir enfin la délivrance arriver. À la 93e minute, un centre-tir de Bogo Asil termine sa course au fond des filets des buts mauriciens. Le public est aux anges.
un peu trop d'ailleurs. Pour les Tchadiens qui ont fait le déplacement du stade Omnisport, c'est une victoire importante, héroïque et presque historique. Depuis 9 ans, le pays n'a pas remporté un match officiel. D'abord, au Tchadien, champion d'Afrique, c'est ça qu'on veut. Le développement du football. Oui. On a su garder notre foi, on a su rester vraiment optimiste. Et on leur a également envoyé toutes les bonnes ondes. Et franchement, cette victoire-là, c'est... Peut-être c'est petit pour d'autres équipes, mais pour nous les Tchadiens, vraiment c'est une victoire très très grande et tout. Vraiment, on a sauté au-delà de 2 ou 3 vies, au moins 3 ou 4 vies, mais quand même 1 vie même, c'est la victoire, donc ça c'est la victoire. Vraiment, c'est une bonne chose. On n'a pas quitté toi là pour rien. Non, maintenant vous avez joué. On a apprécié les gars. C'est comme ça on joue ballon. C'est comment? Non, Marie, tu as mérité. Voilà, on a fini avec. Les gars, applaudissez pour les gars. Le gouvernement de N'Djamena n'est pas resté insensible lui aussi à cette belle victoire. Il a aussi conscience que seule une partie du travail a été faite. Pour le parachever, il faut booster le moral des troupes en leur offrant une prime d'encouragement. Donc je compte sur vous pour le second match. Vous aurez beaucoup. Rien à discuter, tout est arrêté et vous aurez tout ce que vous voulez. Ce qu'on vous demande, c'est de fournir plus d'efforts. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est tout le peuple tchadien qui est derrière vous. Pour les vaincus du soir, de nombreuses raisons justifient cette contre-performance. Un malheureux virus qui s'est introduit dans le groupe et a contaminé plusieurs joueurs, le mauvais état de la pelouse de Mfandina sont, d'après le capitaine de cette équipe de l'île Maurice, autant d'éléments qui pourraient expliquer cette défaite. Comme j'ai répété, je l'ai dit auparavant, on a des joueurs qui ont eu des virus cette semaine, il y a des joueurs qui étaient incertains aujourd'hui encore, il y a des joueurs qui sont restés dans la chambre d'hôtel toute la journée, ils étaient malades, vomissements, fièvre. Et ils ont réussi à répondre présent ce soir, donc on ne pouvait pas prétendre à aller les chercher, à prendre le jeu à notre compte. Aujourd'hui, on a joué amoindri, mais c'est pas une fois de plus, c'est pas une excuse, mais c'est juste pour expliquer aussi les conditions aujourd'hui dans lesquelles on était physiquement, sur lesquelles on ne pouvait pas être entreprenant, on ne pouvait pas être aussi aller les chercher super haut. Il y avait la chaleur, le terrain qui était pour les deux certes, mais qui n'était pas forcément de très bonne qualité, contrairement à Douala, où on pouvait chercher avec nos appuis, jouer un peu plus. S'il reconnaît du bout des lèvres, certes, que le Tchad a une équipe intéressante, le capitaine de Maurice déclare, sans coup férir, que le résultat du match de retour leur sera favorable. Donc, c'était pas un match facile. Il y aura une revanche. On a la chance et l'opportunité de jouer cette deuxième mi-temps. Donc, première mi-temps est pour eux. La deuxième mi-temps sera, je l'espère, pour nous. On va tout faire pour, chez nous. Et ce sera un tout autre challenge pour eux. Et pour nous aussi. Kevin Niquez Tatila a pour sa part retenu les bons points de son équipe et se déplace à Maurice avec pour ambition de remporter le match. Les Tchadiens ne sont du reste pas contraints à la victoire. Un simple match nul suffirait à leur ouvrir la voie de l'étape des poules de campagne éliminatoires de la CAN 2025. Le point positif, c'est que défensivement, on est quand même resté costaud. On n'a pas concédé trop d'occasions. Peut-être 2-3 occasions et offensivement on s'est créé plusieurs occasions, donc c'est assez positif. Maintenant, il va falloir profiter très rapidement de cette victoire, mais vite se reconcentrer parce qu'on a un match difficile qui nous attendra mardi. Donc voilà, on va bien fêter ça les quelques minutes qui suivent et puis directement on se remettra au travail et on fera tomber l'euphorie pour se concentrer pour le match retour. Pour faire justement un bon résultat au match retour, le Tchad, de l'avis de Jean-Paul Akono, devra surtout miser sur les qualités et éviter de fermer le jeu. Étant donné le score étriqué, n'est-ce pas, de ce match, mais qui est quand même une victoire pour le Tchad, aller fermer le jeu ne me semblerait pas une bonne solution. Je crois que la meilleure façon pour eux, pour le Tchadien, pour le match retour, de faire douter, n'est-ce pas, les Mauriciens, c'est justement d'aller jouer à peu près comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire utiliser
la même stratégie au niveau offensif et au niveau défensif et au niveau, n'est-ce pas, de l'occupation du milieu du terrain. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, le match était très densifié au niveau du milieu et c'est le milieu du Tchadien qui avait un peu quelques individualités au niveau de ce milieu-là, n'est-ce pas, qui a fait la différence. Donc pour moi, s'ils partaient rejouer comme ils l'ont fait tout au cours de ce match, je pense qu'ils peuvent, à défaut de rééditer la victoire d'aujourd'hui, mais de s'en sortir au moins avec un nul. Le séjour camerounais des Sao a été couronné par une victoire mémorable. Il reste à espérer que le voyage à Maurice le soit tout aussi. Les Sao ne sont pas loin de réaliser leur rêve de se qualifier pour la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Puissent toutes les vibrations positives du public tchadien les y conduire. Kevin Ikez Tatila et son groupe peuvent rentrer dans l'histoire en devenant les premiers à qualifier le Tchad à une phase finale de la CAN. La route qui mène au Maroc est longue et semée d'embûches. Les Sao en ont conscience. Ils font toutefois confiance au destin et espèrent qu'il soit favorable cette fois-ci.